quand tu comprends à quel point tu dépends de lui, tu ne peux pas négliger sa relation avec lui. Tu ne peux pas négliger sa présence dans ta vie. Vous savez, les gens du monde, ceux qui vont consulter les forces occultes pour avoir un certain pouvoir, ils craignent tellement ce Dieu qui leur donne ce pouvoir. Ils sont prêts à n'importe quel moment pour faire le sacrifice, les sacrifices qu'on leur demande. Mais toi, ton Dieu est au-dessus de ces dieux. Ton Dieu est plus que tout. Raison pour laquelle tu dois lui donner la première place. Oui, tu as la victoire, mais n'oublie pas que c'est lui qui t'a donné cette victoire. Voilà pourquoi tu dois le mettre au centre de ta vie. Au centre, tu commences tes journées avec lui. Il t'accompagne et tu finis tes journées avec lui. Donne-lui la place qui lui revient. Dans l'adversité, ne vois pas l'adversité, mais vois Christ qui est au-dessus de l'adversité. Au centre de toute chose, je ne vois que toi, Seigneur, je ne vois que toi. Au centre de toute chose, je ne vois que toi, je ne vois que toi. Au milieu de l'adversité, je ne vois que toi, je ne vois que toi. Au centre de toute chose, je ne vois que toi. Il y a puissance en ton nom. Les miracles s'opèrent en ton nom. Et nous célébrons tes louanges. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi.
Bonjour mon ami de l'Écodive. Comment vas-tu? Tu vas bien? Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis contente de te retrouver ce matin. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de Tata Nancy. Ensemble, nous allons passer un moment agréable dans le Seigneur. Juste avant, nous allons prier Dieu. Pour cela, je vais inviter Tata Nancy à faire la prière. Bonjour Tata Nancy. Bonjour Tata Omai. Bonjour les amis. J'espère que tout le monde va très bien par la grâce de Dieu. Nous allons prier et pour cela, nous allons tous fermer les yeux. Merci Seigneur pour cette belle journée que tu as créée. Merci Seigneur parce que tu gardes et protèges chaque ami et le parent. Merci aussi Seigneur parce que tu protèges chaque famille dans le monde entier. Au nom de Jésus, amen. Tata, nous faisons assez souvent la prière, car c'est notre façon de parler à Dieu.
Peux-tu nous dire à quel moment précis nous devons prier? La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, de prier sans cesse. Cela veut dire qu'il est important de prier en tout moment. Il est important que tu pries en tout moment. Est-ce qu'il y a des exemples dans la Bible qui nous montrent quand Jésus a prié? Dans le livre de Marc, au chapitre 1er, toujours dans la Bible, on nous dit que pour commencer la journée, Jésus se lève, il se retire, il va dans un lieu désert et il prie. Jésus se lève le matin, il va quelque part où il est seul et il prend le temps de prier. Alors, cela veut dire nous pouvons faire comme Jésus. À notre réveil, nous devons toujours prier Dieu, lui dire merci et lui confier notre journée. Jésus avait aussi l'habitude de prier avant de manger avec ses disciples. Ah bon? Nous aussi? Nous devons prier avant de manger? Il a pris 5 pains, 2 poissons un jour, il a prié pour la nourriture et il a nourri beaucoup de personnes. Tata, Jésus aussi priait pour ses disciples. Ah, est-ce qu'il y a un moment où Jésus se sentait mal par rapport à une situation et il avait prié, hein? Oui. Au moment où on allait mettre Jésus sur la croix, Jésus s'est senti vraiment mal et il a prié. Quand nous avons mal, ou quand nous sommes malades par exemple, quand nous avons mal à la tête, quand tu as la fièvre, quand tu as un petit bobo qui te fait mal, quand tu as mal dans ton corps, ou quand papa est malade, quand maman est malade, quand il y a quelqu'un que tu connais qui est malade, tu peux prier pour cette personne pour que Dieu puisse guérir cette personne. Avant d'aller se coucher, c'est très important de prier. Avant de dormir, il faut prendre l'habitude de prier le soir. Prendre l'habitude de prier afin que Dieu te garde, Dieu te protège durant toute la nuit. Ah, c'est super! Je comprends maintenant que Jésus est disponible pour nous parler. Jésus est toujours là pour nous, quel que soit le moment de la journée ou de la soirée. Oui, nous aussi, nous devons prier pour notre famille. Nous devons prier pour les personnes que nous connaissons. Toi aussi, par exemple, tu dois prier pour toi-même. Tu dois prier pour tes parents. Tu dois prier pour les personnes que tu connais, tes amis à l'église, tes amis à l'école. C'est important de prier pour toute personne qui a besoin qu'on prie pour elle. Merci Tata de nous avoir donné toutes ces informations sur la prière. Merci Tata Almaï. Tu vois, toi aussi, tu peux prier Dieu en tout temps, quand tu veux. Comme dit la chanson, je peux prier, je peux prier en tout temps. En tout lieu, remercier Dieu, l'aimer, de tout cœur le louer, chaque jour, je peux prier, en tout lieu, remercier Dieu, l'aimer, de tout cœur le louer, chaque jour. Ah, ça a été un plaisir d'être avec toi ce matin. Je vais m'en aller. Mais avant de partir, je vais prier avec toi. Ferme les yeux, on prie. Merci Seigneur parce que tu nous as dit que tu es disponible pour nous et que nous pouvons nous approcher de toi en tout temps, en tout lieu. Merci Papa parce que tu es là pour nous. Merci Papa parce que tu es là pour chacun de nos enfants. Nous te prions Seigneur Dieu. De rester près de nous tous les jours. Merci Papa de nous avoir écoutés dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Au revoir mes chers amis. Je vous souhaite une belle semaine avec Jésus. Sois béni. Mouah. Bye.
qui aurais-je peur? Élève ce Dieu, de qui aurais-je peur? Parce que même quand l'ennemi veut te troubler, même quand l'ennemi veut te détruire, oh non, il ne peut rien te faire. C'est lui-même qui chancelle les tombes. 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 Car tu as le Dieu puissant, le Dieu puissant, le Dieu puissant, le Dieu puissant qui est avec toi. Tu n'es pas seulement à tes côtés. Oh Dieu, tu n'es pas seulement, Seigneur, à notre côté, mais tu es en nous. Toute ta puissance, tu l'as mise en nous, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Toute ta puissance, Seigneur, tu l'as mise en nous, Seigneur. Voilà pourquoi nous disons que nous ne craignons rien. Même toi qui es à la maison, en train de suivre, proclame, proclame que tu ne crains rien. Proclame que tu ne crains rien. Proclame que tu ne crains rien. Car il y a un Dieu puissant. Un Dieu puissant qui vit en toi. Un Dieu puissant qui vit en toi. Un Dieu puissant qui vit en toi. Et qui te donne la victoire. N'aie pas peur. 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 Mais élève-le. Élève-le ce matin. Élève-le de tout ton cœur ce matin. Il est digne. Il est digne. En unité, nous l'élevons. En unité, nous l'élevons. Et c'est lorsque nous l'élevons, en unité, qu'il se manifeste, que sa gloire descend et fait disparaître les ténèbres. Il fait disparaître les ténèbres. Oh Dieu, tu fais disparaître les ténèbres dans la vie de chaque personne ici présente, dans la vie de ceux qui nous suivent, ô Éternel. Oh, sois élevé. Reçois l'acclamation. Reçois l'acclamation. Reçois l'acclamation. Yes, tu es digne. 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 Alléluia. Sois acclamé. Sois acclamé. Nous jetons nos cris devant toi. Nous lançons nos cris. Nous lançons nos cris. Nous lançons nos cris. Des cris de louange. Des cris de louange vers toi. Des cris de louange vers toi. Des cris de louange vers toi, oh Dieu. Oh. Yes, tu es digne. Reçois, reçois, reçois. Ton peuple t'élève. Ton peuple t'acclame. Ton peuple t'acclame. Ton peuple t'acclame ce matin, Seigneur. Oh, nous n'avons rien à craindre avec toi. Yes, tu es dit. Tu es dit. Reçois, 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 reçois. Reçois le chant qui monte de nos cœurs. 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 Alléluia, alléluia. Sois élevé, sois élevé. Oh Dieu Tout-Puissant, sois béni, Seigneur. Alléluia. Yes. Hey. Dans la joie, nous allons le célébrer ce matin. Qui est dans la joie ce matin? Alléluia. Yes. Yeah.
celui qui console et guérit. Nul ne peut se comparer. Ne peut se comparer à lui. Tout pour moi lui est donné. Parce qu'il règne tous les règnes pour l'éternité. Ni personne ne peut l'égaler. Son nom est. Son nom est le grand je suis. Celui qui console et guérit. Ne peut se comparer à lui. Tout pour moi lui est donné. Pour l'éternité, rien ni personne ne peut l'égaler. Ne peut l'égaler. Oh 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 oh. Rien ne peut. Ne peut l'égaler. Oh 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 oh. Ne peut l'égaler. Oh oh oh. Jésus, tu es. Jésus, tu es. Jésus, tu es.
Qu'il règne, puisqu'il règne, nous régnons. Sa puissance est en nous et ça se manifeste dans tous les domaines de nos vies. Ça, c'est une assurance qu'il nous donne. Il est puissant. Il est puissant dans les cieux. Il est puissant sur la terre. Il est puissant dans cette église. Il est puissant dans nos voitures. Il est puissant dans notre maison. Oh,
Sur le plan de Dieu et non pas sur le plan de tout le système. Parce que les systèmes ont été créés par des humains qui ont des failles. Alors un système peut faillir. Un plan du gouvernement peut faillir. Le plan de Dieu ne faillira jamais. Alors c'est pourquoi la Bible dit recommande ton sort. La Bible dit recommande ton sort. Il dit recommande ton sort à Dieu et Dieu agira. Il agira. Je ne sais pas tu es où, mais parfois tu es complètement envahi par la confusion. Mais ce matin, je ne sais pas chez vous, parfois c'est l'après-midi, Dieu veut te parler. Alors s'il vous plaît, Dieu a un plan pour ta vie. Crois-le que même si le diable devenait 150 fois le diable, ne pourra jamais arrêter le plan que Dieu a pour ta vie. L'essentiel que toi, tu puisses permettre à Dieu d'opérer, mais collaborer avec toi. Alors, bienvenue à notre service de ce matin. Nous croyons que le Seigneur est présent. Même ceux qui ont des problèmes physiquement, maladie. Vous savez, la maladie peut prendre parfois plusieurs formes. Alors j'aimerais bien te parler que quelle que soit la forme que la maladie peut prendre, ça peut être une maladie relationnelle, ça peut être une maladie physique, ça peut être une maladie de votre portefeuille, ça peut être une maladie de plusieurs. Vous savez, la maladie peut prendre plusieurs façades.
tout ce que je sais, que Christ envoie sa parole. Et la parole te guérit. Quand Dieu veut résoudre le problème de qui que ce soit, la première chose que Dieu fait, il lui envoie la parole. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu est dans sa parole. Et quand tu reçois la parole de Dieu, tu reçois Dieu. Et Dieu et le diable ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ok? Alors prépare-toi. Prépare-toi, toi et ta famille. Je sais qu'il y a d'autres. Vous êtes chez vous, à la maison, vous êtes au salon. Ok? Alors décide-toi de te discipliner. Discipline-toi. Parce que je sais que bientôt là, l'ennemi va susciter toutes sortes de moyens pour tenter de te distraire. Il va te montrer ce que tu n'as pas pu faire au cours de la semaine. Mais ce n'est plus le temps. Ce n'est plus le temps. Ne lui donner, ne lui prêter même pas attention. Dis-toi, c'est maintenant le temps que Dieu me parle. C'est là où Dieu parle. Le règne de Satan finira par disparaître. Ah, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est ça la prière que Jésus a montré à ses disciples. Notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le règne de Dieu dans ta vie. Et quand Dieu commence à régner quelque part, le diable ne peut plus régner. Mon ami, ce ne sont pas des philosophies. Ce n'est pas une philosophie. Mais quand Dieu vient régner dans ta vie, le diable, le vouloir ou pas, il doit plier bagage. Et c'est ça que le Seigneur veut que tu entends. Cette semaine, nous avons eu une semaine formidable. Une semaine où nous sommes investis à être éliminés. Pas éliminés, mais éliminés. Éclairé. Parce que Dieu dit. Ça, c'est notre code routier. Mon ami, tu peux vivre sur cette terre et remporter des victoires. Mais si tu t'appuies sur ce qui est écrit sur notre code routier, c'est notre GPS. Ok? C'est notre GPS. Et la terre auquel tu vis a été créé par cette parole. Et tu ne peux pas remporter de victoire sur cette terre en ignorant la parole qui a créé cette terre. Oh, on te donne des opportunités ce matin afin que tu dises, ah non, ça suffit, ça suffit. Et oui, mon ami, tu peux dire, ça suffit, ça suffit. Aujourd'hui, en écoutant cette parole, tu peux dire, ça suffit. Assez, c'est assez. Quelqu'un peut dire amen. Je vais demander à tous ceux qui sont avec moi dans la salle de lever les mains en l'air. Nous allons dire merci à Dieu pour ce temps qu'il nous donne. J'aimerais bien que tu puisses parler sous ta tombe. Je ne sais pas, c'est ta. Alors, allez-y, 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 allez-y. Parle. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche? Malgré cette affaire-là. Malgré cette affaire. Malgré cette affaire. Alléluia. Mande carabro, c'était. Brassa, les bras, les bocabra, mandeka, oh guerrier, 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 lève ta voix, oh je parle aux guerriers et aux guerrières, je parle aux guerriers et aux guerrières, et les amis qui sont sur les balcons, que tous ceux qui sont sur les balcons, on ne vous oublie pas, levez vos voix, vous êtes des guerriers, manda kereba sobra. Manteca brusaya, lebra brosotoko, manteke ke brosa, leina mama ka brezolo, landre ke teke ke brosala, imbra ke ke yosa. Nous te glorifions, éternel Dieu. Nous te magnifions. Ah, nous n'avons pas un autre Dieu. Tu es notre unique Dieu, le Rédempteur, notre substitut, le Dieu qui nous a sauvés. Le Dieu qui nous a arrachés de l'emprise du diable. Le Dieu qui nous a transportés dans le royaume de la lumière. Nous célébrons ton nom ce matin. Nous te disons, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'exaltation, reçois le couronnement. Sois couronné, sois magnifié. Alléluia. À toi la gloire, à toi la gloire dans nos vies, à toi l'honneur.
dans nos vies. À toi l'élévation, à toi l'exaltation. Alors règne, 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 règne. Alors règne, mante cabro, sebraka, imrakeke broto, sabraka. Imbro teke yaka la santa cara mondre que teke que brosa le braca yando coro vosete mande carabasi bro lambre ya santa coro rico ya mande caraya kiki brazo le braca yeka mando coro vosete bre notre Dieu tu es bon, tu es bon, tu es bon. Alléluia. Tu es bon, oh mon Dieu. Tu es bon. Oui, mon Dieu. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Lève-le tu demain. Es bon. Oui, mon Dieu. Tu es bon. Oui, mon Dieu. Tu es bon. Ah oui, mon Dieu. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh mon Dieu. Bon. Oui mon Dieu, tu es bon. Ah oui mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oui mon Dieu, tu es bon. Oui mon Dieu, tu es bon. Oui mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Dis-le encore. Es bon. Ah oui mon Dieu. Oh, oui Jésus, tu es bon. Ah oui mon sauveur, tu es bon. Tu es bon pour moi, ah, tu es bon. Nous te louons, tu es bon. Nous t'adorons, tu es bon. Pour tout ce que tu as fait, tu es bon. Tu es bon pour moi, c'est tu pourquoi es bon. Nous te donnons la gloire. Ce matin, que l'on nom la gloire. Tu es bon. Ah oui, mon Dieu. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Nous t'adorons. Tu es bon. Nous t'adorons. Tu es bon. Oui, nous t'adorons. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Ah oui. Tu es bon. Nous t'adorons. Nous t'élèvons. Tu es ah, bon. Oui. Nous t'élèvons. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oui, tu es tout pour nous. Tu es ah, bon. Mon Dieu, tu es tout pour nous. Tu ah, es bon. Ah oui, mon Dieu. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Seigneur, tu es tout pour nous. Nous t'adorons ce matin parce que tu es tout pour nous. Merci Père. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Je disais amen. J'espère que chaque personne a apporté le Saint-Saint. Nous allons passer directement à la Sainte-Saint. Alors prends ton pain, prends ton jus. À la guerre comme à la guerre. Alors, n'attendez pas d'avoir une table devant, parce qu'on est en pleine guerre. Quelqu'un peut dire un bon amen? Alors, j'espère que chaque personne, pour ceux qui suivent, pour tous ceux qui suivent, les instructions pour tous ceux qui suivent, nos cultes, ils savent qu'aujourd'hui, nous avons dit que nous devons avoir une sainte sainte. Alors, tu ne peux pas me dire que toi, tu n'as pas suivi parce que toute la semaine, on l'a annoncé. Alors, sois quand même quelqu'un de très vigilant. Parce que même l'enlèvement sera en un clin d'œil. Alléluia. Nous voulons clôturer cette semaine par la Sainte-Seine. Alors la Sainte-Seine, pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus,
qui sont passés par l'eau des baptêmes, ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et qui sont passés par l'eau des baptêmes. Jésus-Christ a dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Quiconque croira et qui sera baptisé sera sauvé. Quiconque croira et qui sera baptisé, quiconque croira sera baptisé, c'est celui-là. Alors nous croyons. Alors j'aimerais bien que chaque personne tienne notre Sainte Seine. Je vais demander à tous ceux qui doivent participer à la Sainte Seine de bien vouloir s'élever, s'il vous plaît. Là, à la maison, dans ton salon, j'espère que tu as déjà préparé ton pain et ton jus. Demande pas de parler. Alléluia. Tu es Alpha et Omega. Nous t'adorons, oh, oh, oh Dieu. Tu es digne de. Tu es Alpha, tu as Alpha. Et Omega. Nous t'adorons, oh, oh Dieu, tu es digne de. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, les rompit, dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons tous le pain. Demain, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il viens, vivons tous. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour ton corps qui a été brisé pour nous à la croix. La parole de Dieu nous dit que tu as porté dans ton corps nos péchés, nos maladies. Et tu nous dis dans ta parole que tu es notre, tu as été notre remplaçant à la croix. Tu nous as remplacés. C'est pourquoi tu es notre substitut, tu es notre rédempteur. Tu as reçu le châtiment que je méritais, que nous méritions. Père, en mangeant ce pain qui représente ton corps, que tout ce que
ton corps à subir pour nous soit notre partage. Ton sang qui a coulé au lieu de Golgotha. La Bible dit qu'il y a pardon. La Bible dit qu'il y a victoire. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang. Seigneur, nous venons ce matin proclamer notre victoire. Merci pour ton sang. Qui s'est versé pour nous. Seigneur, tu nous as dit qu'à chaque moment que vous mangerez le pain et que vous prendrez la coupe, le pain qui représente ton corps, la coupe qui représente ton sang, nous pensons à ta mort et à ton retour. Seigneur, nous te remercions parce que ce matin, nous faisons qu'accomplir ce que tu as dit. Nous pensons que tu as pris notre place à la croix. Tu es mort pour nous, non pas pour toi. Et nous voulons penser aussi ce matin que tu reviens bientôt. Aide-nous à être impactés de cette foi, de savoir que nous attendons notre départ pour les lieux célestes. Nous te louons, Père, nous te glorifions parce que tu nous as aimés. Alors reçois la gloire et l'honneur, Seigneur, que ceux qui sont en train de prendre ce pain et cette coupe, de là où ils sont, s'ils sont malades physiquement, Seigneur, qu'ils reçoivent la guérison maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Nous te bénissons, Père. Merci pour tout. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci. Amen. Amen. Je disais Amen. Merci. Tu prends ton affaire. Tu peux les déposer dans ton panier, dans ton sac. Alléluia. Ok, on peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alors, je vous salue tous. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur. Et Sauveur. Amen. Qui est content d'être ici ce matin? Pour le moment, nous disons que pour ceux qui ont des enfants, je crois que les annonces qui sont données pour ceux qui viennent avec des enfants, pour le moment, essayez de ne pas amener les enfants. Si vous êtes un couple, permettez que l'un reste pour s'occuper des enfants et puis l'autre dimanche, c'est quelqu'un d'autre ou bien il y a une personne qui va rester pour venir au deuxième service quand la femme ou bien quand l'homme retournera. Parce que pour le moment, notre école de dimanche, là, en arrière, ne fonctionne pas encore. Alors, veuillez nous rendre service. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous avons eu une semaine formidable. J'aimerais bien voir tout ce qui était à la semaine que nous avons eue. Ce qui était là physiquement, pas spirituellement, mais physiquement. Ok, bon. Si tu étais là spirituellement, c'est bon. Mais prochainement, sois là physiquement. Gloire à Dieu. Ouf. Est-ce que ça va? Amen. Dites avec moi, tout va bien. Tout va bien. Ah, répétez un peu, tout va bien. Au cours de la semaine, nous avons eu beaucoup de temps à proclamer. Au cours de la semaine, nous avons eu plus de temps à proclamer. Je dis proclamer. Proclamer, c'est se mettre en accord avec ce que Dieu dit à ton sujet. C'est ça, proclamer, confesser, déclarer. Ça veut dire, on ne nous demande pas de nier les événements, mais en face de
tout événement, toi, Dieu te demande de dire ce que lui, Dieu, dit. Et non pas ce que les événements te montrent. Dieu te dit, mets-toi de mon côté et dites ce que moi, Dieu, j'ai dit. Parce que ce que Dieu dit contredit complètement la réalité. La Bible dit que Dieu soit reconnu pour vrai, mais pour que les événements et les humains qui créent ces événements soient reconnus pour des menteurs. Béni soit le nom du Seigneur. C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est croire que tout ce que Dieu dit à propos de ta vie est vrai. C'est croire. Et croire, c'est vivre. Croire, c'est vivre. Croire, c'est que tu prends la parole de Dieu, de ce que Dieu dit, et en sortant, tu branches cette parole de foi en face de tes réalités. C'est ça la vie, parce que la vie d'un enfant de Dieu ne s'arrête pas ici à l'église. La vie d'un enfant de Dieu le pourchasse hors de ces bâtiments. C'est quand tu es chez toi que tu dois prendre ce que Dieu dit et tu le branches en face de ce que la situation te montre. C'est ça la foi. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit le faire à ta place. C'est toi qui dois oser le faire. Et si tu le fais et si tu appliques cela, la Bible dit que cela te soit fait selon ta foi. C'est ça qui est formidable. Voyez pourquoi la parole de Dieu parle d'un certain monsieur au nom d'Abraham. Il a vécu sur la terre. Voyez pourquoi la parole de Dieu parle d'Isaac. Voyez pourquoi la parole de Dieu nous parle de Jacob. Voyez pourquoi la parole de Dieu nous parle d'un certain Joseph. Voyez pourquoi la parole de Dieu nous parle de David. Voyez pourquoi la parole de Dieu nous parle de Moïse. Voyez pourquoi la parole de Dieu nous parle de Wesley, de Moody, de Finney, de Fofi, de Tel Osborne, de Kenneth Hagin. Voyez, la parole de Dieu nous parle. Et toi, tu dois ajouter ton nom. Et, oui. Vous savez, la parole de Dieu ne parle pas seulement d'Abraham. La parole de Dieu ne parle pas seulement de Finet. La parole de Dieu ne parle pas seulement de Spurgeon. La parole de Dieu ne parle pas seulement de Moïse. Mais la parole de Dieu parle, témoigne. Ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont vécu notre époque. Quelqu'un comme Moody, ici à Chicago, qui était un colonien. Mais la parole de Dieu a transformé sa vie. Elle était devenue tellement puissante. Tu te rends compte, la parole de Dieu peut te prendre à n'importe quel niveau. C'est pourquoi on peut écouter les témoignages comme de quelqu'un comme Finet, qui était un avocat ici à Boston. Quand il parlait de la parole de Dieu, les gens tombaient même sur les arbres, parce que les gens montaient sur les arbres pour l'écouter. Et ils disaient, faites attention, parce que quand la puissance de Dieu va descendre, vous risquerez de tomber sur l'arbre. Ici. En fait, ce n'est pas des anges. C'est des personnes qui nous ont précédés, les amis. C'est les personnes qui ont cru à cette parole, qui nous ont précédés à peine quelques années. Mais comment se fait-il que eux, à peine quelques années, ils ont vu la main de Dieu opérer dans leur vie? Pourquoi à notre génération ici, maintenant c'est notre époque, maintenant tu ne viens pas ici pour t'asseoir, seulement s'asseoir, et puis demain aussi s'asseoir, et puis ça s'arrête là. Non, tu viens ici parce que ça, c'est l'entrepôt de la parole. Tu dois être équipé pour que tu laisses ton histoire. Si on témoigne des gens comme de Tel Osborne, de Daisy Osborne, si on parle des gens comme de Lester Samral, si on parle des gens comme de Catherine Kuhlman, si on parle des gens comme John Austin, si on parle de tous ces mondes-là qui ont vécu à peine quelques années devant nous, si on parle de Cimitus Claude, si on parle de gens comme le William Branham, si on parle de gens comme le Spirit Jones, si on parle de gens comme le Cap Charles, si on parle de ces gens-là, il y a d'autres qui étaient des fermiers ici aux États-Unis, il y a d'autres qui étaient de toutes les classes sociales, en Angleterre, partout dans le monde. Si on parle, écoutez, chaque pays a eu des revivalistes, de l'Amérique jusqu'en Afrique. Il y a eu des hommes et des femmes
mais auquel Dieu a rempli du Saint-Esprit comme toi. Il y a eu des hommes et des femmes, mes frères. Il y a eu des hommes et des femmes. Et ils sont passés, maintenant c'est ton tour. Je dis maintenant c'est ton tour. Si votre amen, tu les gardes pour toi, tu peux les garder pour toi. Vous voyez, beaucoup de personnes ne veulent pas assumer la responsabilité. On pense que non, quand on parle de ces gens-là, ah, eh, ils étaient des experts. Non, ils étaient sauvés par la grâce. Ils étaient sauvés avec la même grâce que moi, même grâce que toi. Ils étaient sauvés par la grâce. Ils n'étaient pas parfaits. Jésus-Christ était parfait en eux. Parce que c'est là où se trouve le problème. C'est que toi, tu attends que tu sois parfait. Mais je vais vous le dire. Ces gens-là n'étaient pas parfaits, mais Christ était parfait. Jésus était leur perfection. Jésus était leur perfection. C'est ça la grâce. C'est que Dieu t'a accepté en Jésus-Christ. Maintenant, si eux, ils ont été acceptés en Jésus-Christ, ils ont reçu la même justice que toi, et que eux, ils ont marqué leur temps. Attends, aujourd'hui, c'est ton temps. Dites avec moi, c'est mon temps. Répétez avec moi, c'est mon temps. Mon ami, écoute-moi bien. Tu n'es pas là seulement pour préparer ta retraite. Hein? Parce que même les païens qui ne sont pas là, même ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu, sont en train de préparer leur retraite. Sinon, il n'y aura pas de différence. Écoutez, tu n'es pas sur la terre pour terminer seulement les études et préparer ta retraite. Terminer les études, trouver un travail, se marier, pondre des enfants, donner naissance. Et puis préparer la retraite. Attends, même celui qui ne croit pas en Jésus, fait pareil. Fais pareil. Mais toi, tu es appelé à distinguer. Dites distinguer. Vous voyez pourquoi? Le Seigneur nous laisse. Vous voyez pourquoi? Même Corona ne peut pas te tuer. Parce que tu as une mission à accomplir. Aïe, 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 aïe. Je disais, voyez pourquoi il y a une marque sur toi. Pia. C'est parce que ta mission n'est pas encore finie. Ah, mon ami, quand ta mission n'est pas encore finie, toutes les épidémies du monde peuvent déferler. Et tu peux te lever même seul dans ta chambre et tu dis, no way! Je suis en mission. Et vous savez, Dieu dit que ce que tu refuses sera refusé au ciel. Mais ce que tu permets, eh bien, ça sera permis parce que Dieu le dit. Les amis, il y a des choses que tu ne permettras pas. Maudit ce qui n'est pas au ciel. Résister. Et tu as besoin de la foi pour dire je refuse. C'est ça. Ce que tu permets, c'est ça. Ce que vous liez sur la terre est lié dans le ciel. Ça veut dire que ce que vous permettez dans votre vie sur la terre, Dieu va le permettre. Tu diras, tu l'as permis. Mais ce que tu diras, non. Pourquoi? C'est parce que Dieu n'est pas l'auteur de cela. Eh bien, le non là restera non. Et c'est là où tu prendras la parole, tu dis, je dis non par rapport à ce qui est écrit. Parce que je suis né de nouveau. Selon cette parole inspirée. Et comme je suis né de nouveau par la parole de Dieu, et comme j'appartiens à la famille de Dieu par la parole de Dieu, eh bien c'est cette parole-là qui me donne le pouvoir de dire non. Il y a des choses que nous n'avons pas le droit de permettre. Mais ça va dépendre de ta foi. Parce que chacun a un niveau de foi. Chacun a un niveau de foi. C'est pourquoi il y a des places où Jésus passait, il ne pouvait pas faire des miracles, parce que la Bible dit qu'il y avait d'incrédulité. Et là où il trouvait l'incrédulité, malgré toute son onction, il ne pourrait rien faire. Lis la Bible. Quand Jésus trouvait l'incrédulité quelque part, malgré toute sa puissance, il ne pouvait rien faire. Pourquoi? C'est parce que l'incrédulité s'oppose à la puissance de Dieu. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi, les amis, je voulais vous dire, que nous sommes une armée. Lève la main droite, dites, je suis une armée. Dites avec moi, je fais partie de l'armée. Il faut parler.
fais, dites, je fais partie de l'armée. Je suis dans une armée. Dieu m'équipe. Je suis formé. C'est ça, c'est des déclarations comme ça. Déclare ce que Dieu dit. Et au cours de la semaine, on a parlé un peu de beaucoup de choses. Nous avons eu à parler sur le site type de. Nous avons eu, bon, on n'a pas fini tout, mais nous avons vu quand même qu'au cours de la semaine, qu'il y a 6 types de pauvreté. Dites avec moi, 6 sortes de pauvreté. Dites encore, 6 sortes de pauvreté. Le Seigneur nous donne des exemples de la pauvreté. Tout simplement au cours de la semaine, on a dit, mais pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. Alors, je ne pourrai pas, depuis toute la semaine, on n'a pas pu en terminer, on ne peut pas en finir parce qu'on doit continuer. Parce que vous savez, si on essaie de sauter rapidement, on ne pourra pas comprendre. Et ce qui compte, c'est de comprendre. Parce que la Bible dit que vous recevrez selon la compréhension. Le Seigneur dit que ce que tu vas vivre va dépendre de comment tu as compris. Ça prend écouter et comprendre. Écouter et en même temps faire quoi? Comprendre. Quand tu mêles les deux, tu écoutes et que tu as compris quand tu sortiras d'ici, même si le diable te croise dans les escaliers, sur les escaliers, et il revient avec son ancien fardeau en te disant, bon, vous avez fini votre théâtre là dans la salle 2305 Riolt, maintenant reviens parce que, reviens sur la terre. Il te dira ça. Reviens maintenant sur toi-même parce que les réalités de tes problèmes sont vraies. Et maintenant, quitte à toi de dire, non, j'ai compris ce que j'ai compris au 2305 Riolt. J'ai compris ce que mon coach m'a dit. J'ai compris ce que Dieu a dit au travers de mon coach. Maintenant, trace-toi de mon chemin. Parce que moi, j'ai une destinée. J'ai un destin qui doit s'accomplir. Quelqu'un peut dire amen. Là, tu deviens agressif dans ta foi. Là, on appelle ça la foi agressive. Maintenant, quiconque se mettra sur ton passage, je dis n'importe quel type de démon qui se mettra sur ton passage, eh bien, il va croiser l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. 3 Jean 2. Lisons un peu la volonté de Dieu. Qui croit que la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu? Non, je disais, qui croit que la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu? Ok, alors, lisons la volonté de Dieu. Quand tu finiras par lire ces versets, tu sauras que ce n'est pas la volonté de quelqu'un, mais c'est la volonté de qui? De Dieu. Alors, si tu es venu ici pour comprendre la volonté de Dieu, alors là, je peux te dire que vraiment, tu sortiras d'ici totalement béni. Et je vous l'ai dit, qu'en suivant cette parole, même en étant malade, cette parole est capable de te libérer. Libérer. Je dis libérer. Je dis bien cette même parole est capable de te libérer. Alors, rachetons le temps. Allons-y. Est-ce qu'on peut le lire? Allons-y. Bien-aimé, avoyez. Ça commence par bien-aimé. Lève la main droite. Mettez sur ta poitrine. Dites, je suis le bien-aimé de Dieu. Oh, il y a d'autres qui ont des difficultés de croire. Il y a d'autres qui ont des difficultés d'accepter que Dieu l'appelle bien-aimé. Dites encore, je suis le bien-aimé. Répète encore, je suis le bien-aimé de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Alors toi, accepte parce que Dieu ne ment pas. Mon ami, je te demande d'accepter. Je ne sais pas où tu es. Tu es en prison. Tu es en train de me suivre. Dieu t'appelle bien-aimé. Tu es à l'hôpital. Dieu me dit de te dire ce matin que tu es son bien-aimé. Ah. Attends, tu te dis, mais pasteur, mais moi, ma femme vient de me foutre dehors, mon mari vient de me mettre dehors, il ne veut plus de moi. Dieu t'appelle bien-aimé. Waouh, pasteur, c'est trop beau. Oui, Dieu t'appelle bien-aimé. Ce n'est pas ce que tu vis,
qui change Dieu. Ce n'est pas les événements que tu vis maintenant qui changent la vie de Dieu. Hein? Ce n'est pas parce que tu viens de perdre ton travail, Dieu t'appelle, tu es le bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu n'as plus l'argent pour payer l'hypothèque que Dieu te dit, tu n'as mon nom. Dieu te dit, tu es toujours mon bien-aimé. Ce n'est pas parce que ton portefeuille est vide que tu n'es plus le bien-aimé de Dieu. Dieu te dit, je t'appelle mon bien-aimé. C'est Dieu qui le dit, le maître, le Dieu de toute richesse. C'est lui qui te dit, tu es mon bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu n'as plus l'argent de payer les factures que tu n'es plus le bien-aimé de Dieu. Tu es le bien-aimé de Dieu. Je voulais te le dire parce qu'en écoutant ce que la parole de Dieu est en train de déclarer, Dieu est en train de solutionner ton problème. Je te l'ai dit que ton problème est solutionné. Reçois seulement l'amour. Quand quelqu'un t'appelle bien-aimé, ah, tu as envie de recevoir l'amour. Alors Dieu te dit ce matin, reçois mon amour. Reçois mon amour. Oh, pasteur, si Dieu m'aimait, mais pourquoi il a permis ça? Oh, reçois l'amour. Dieu aimait Paul. Mais un serpent l'a mordu sur l'île de Man. Il restait le bien-aimé de Dieu. Alors, ah, pasteur, je donne toujours ma dîme. Mais pourquoi je viens de perdre mon travail? Dieu t'appelle mon bien-aimé. Écoutez la suite, écoutez. OK? On continue? OK. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Aïe. Il dit, Fofi, mon bien-aimé. Il dit, Antoinette, je ne sais pas ton nom, mais ton nom. Elle dit, mon souhait, moi, Dieu, c'est que tu prospères, c'est que tu réussisses. Marquez cela. Dieu veut, le souhait de Dieu, c'est que je puisse réussir dans chaque domaine. Marquez cela. OK, je vois des gens prendre des notes. C'est bon ça. Dieu veut que tu réussisses. Mais comment? Il dit, à tous égards. Dites à tous égards. Ici, nous sommes en train de voir la volonté de Dieu. C'est que Dieu veut que tu réussisses comment? À tous égards. Dites, ça, c'est la volonté de Dieu. Pour moi. Mon ami, en sortant d'ici, n'ignorez pas ça. Dieu le veut. Dieu souhaite que tu prospères. C'est Dieu qui veut que tu réussisses. Mais dans quoi? À tous égards et soit en même temps en bonne santé. Vous entendez la volonté de Dieu? Dieu veut que tu réussisses dans tous les domaines de ta vie. Et il ajoute encore, je veux aussi que tu sois en bonne santé. Dites la santé divine, c'est la volonté de Dieu pour moi. Oh, j'aime ça. Ah, les amis, simplifions un peu la parole de Dieu. Rendons un peu la parole de Dieu vivable. Comprends la volonté de Dieu parce que ça va t'aider. Quand tu comprends cela, ça va te donner la foi. Ça va te donner de l'énergie même de prier pour quelqu'un parce que tu connais la volonté de Dieu à propos de cette personne. Ne soyez pas incrédule. Ne soyez pas religieux. Hein? Amène la volonté de Dieu et applique la volonté de Dieu. Béni soit le notre Seigneur. Et dis, je souhaite que tu prospères à tous égards, ça veut dire que tu dois réussir dans le domaine de ta santé, tu dois réussir dans le domaine de ta famille, dans ton foyer, c'est ça le souhait de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas seulement à réussir, parce que pour réussir, il y a des choses qu'on doit faire. Réussir, ça inclut des choses que tu dois faire. Même ceux qui réussissent dans les études, ils prennent le temps de faire quoi? De s'asseoir sur les bancs et puis d'écouter les professeurs. Tu ne peux pas réussir tant que tu refuses de suivre. Tu dois suivre un cours pour réussir. Tu ne peux pas devenir un médecin en disant non, je n'ai pas l'envie de lire. Et tu dis non, j'aimerais bien. Qui veut que je l'opère? Mon ami, il faut mettre l'ambulance à côté. Parce que tu n'as pas été formé. Et les gens pensent que dans les choses de Dieu, on dit oh non, Dieu, on n'a pas besoin de s'asseoir et puis écouter la parole de Dieu. On n'a pas besoin parce que tu es partout. Tu peux me parler même. Attends, arrête-moi ça. Vous savez, la volonté de Dieu, c'est que tu puisses réussir dans chaque domaine, mais la réussite inclut l'enseignement, la préparation. Il n'y a pas de réussite sans être enseigné. On peut enseigner de plusieurs manières. Il y a d'autres qui sont enseignés en regardant quelqu'un faire quelque chose et ils apprennent.
Et continue et sois en bonne santé. Même la santé. Mon ami, la santé. Dites la santé. La santé, c'est la volonté de Dieu. Dis, Dieu te veut en bonne quoi? Santé. Si tu comprends cela. Je vous l'ai dit que le diable va chercher où partir. C'est que même quand dans ton corps, le diable vient gratter, tu lui diras, ok, j'aimerais bien te rappeler ce qui s'est passé à la croix. À la croix, quand Jésus-Christ est mouru, lui, premièrement, il n'avait pas commis des péchés. Le péché amène la maladie. Et le jardin d'Éden, le péché du jardin d'Éden nous a amené des choses indésirables, la maladie, les cancers, de tout là. Mais Jésus l'a réglé pour moi à la croix. Et comme il l'a réglé à la croix, écoute maladie, tu vas chercher un autre candidat quelque part. Mais pas avec moi. Les amis, tu sais que les médecins peuvent te traiter, mais si Dieu ne guérit pas, qui est là? Et voyez pourquoi tu dois connaître la volonté de Dieu sur la guérison. Tu dois connaître qu'est-ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Mon ami, quand tu sais ce que Dieu dit, les anges vont t'accompagner. Quand tu sais ce que Dieu dit, et non seulement tu sais, mais tu appliques. Parce que c'est ce que tu vis qui va se manifester. C'est ce que tu crois et que tu vis. Les amis, sois un opposant. Opposition. Je ne te demande pas de former une partie. Sois l'opposant du gouvernement de Satan. Tu as compris ça? Satan, il est le destructeur. La Bible dit qu'il est le voleur. Il vient pour détruire, pour égorger. Il veut égorger tes finances. Il veut égorger ton foyer pour ceux qui sont mariés. Il veut égorger tes enfants. Hein? Il veut détruire tes relations. Ça, c'est le travail de Satan. Il veut détruire tes relations. C'est pourquoi il peut te mettre des personnes qui ont une sale compréhension des choses. Nous verrons cela sur la pauvreté mentale. Non, sur la pauvreté sociale. C'est dans la pauvreté sociale qu'on verra des relations brisées. Des relations des gens qui ne comprennent pas. Nous viendrons là. Mais nous sommes en train de voir d'abord la première chose que nous avons vue. La pauvreté financière. Et nous sommes, Dieu veut que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Comme prospère quoi? L'état de ton âme. Et dit, quand Jésus-Christ vient dans ton âme et que tu es sauvé, ton âme prospère. La volonté de Dieu, c'est que tu ne restes pas seulement prospéré dans l'âme, mais Dieu veut que cette prospérité-là qui est dans ton âme se répande dans tous les domaines de ta vie. Il dit parce que la vie de chacun de nous a plusieurs domaines. Maintenant, la prospérité que tu as reçue dans ton âme, Dieu veut que ce type de prospérité-là, que cette prospérité-là, maintenant se répande dans le domaine familial. Hein? Ça veut dire Dieu veut que tu aies la paix dans ton foyer. Dieu veut que tu aies la paix dans ta famille. Ok? C'est ça que Dieu veut. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et ça va demander parfois de remise en place. Parfois arrangement de caractère. Oh, je n'entends pas. Je vais changer un peu de l'autre côté. Parfois, ça va demander, si tu veux la paix dans ta maison, parfois, ça va demander un brisement de caractère. Hein? De l'humilité. Dites l'humilité. À la place de crier, toi, tu restes calme. Hein? Quand l'autre est en train de crier, il dérape. Toi, tu dis, que Jésus soit glorifié. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne te demande pas d'aller donner ton visage pour qu'on crève l'œil. Non, je ne te demande pas ça. Mais c'est de savoir gérer les choses. Dire non, moi je veux la paix. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tu prospères dans le niveau familial. Et la prospérité dans le domaine de la famille va demander des concessions, des ententes. Hein? Parce que la plupart des débats parfois qui tombent dans des familles, tout simplement parce que la chair a pris trop de place. Personne ne veut diminuer. Et si tu vivant dans une société où on dit que non, faut prendre ta place, ta, c'est l'émancipation, ta. Alors voyez-vous, l'autre dit un mot, toi aussi tu dis un mot. Mon ami, tu vas enflammer le feu. Parce que l'attitude d'un enfant de Dieu, c'est d'éteindre le feu. Qui est là avec moi? Bon,
je ne sais pas, tu vois. Dieu, la Bible dit que Dieu veut que tu prospères. Parce que si nous arrêtons seulement prospérité, maintenant on ne saura pas. On dira, ah, Dieu veut que je prospère. Mais Dieu veut que tu prospères dans le niveau familial. Dieu veut que tu bâtis un mariage prospère. Ah, pour ceux qui veulent se marier, n'oubliez pas qu'il y a d'autres qui veulent sortir. Sois prêt, parce que pour rester dans ça, ça va demander que tu sois enseigné comment garder ton mariage. Hein? Pourquoi votre amen a diminué? Oh, les amis, je vous l'ai dit que la Bible dit que la femme est sage. Mais moi, j'aimerais bien dire que l'homme sage bâtit aussi. Parce que souvent, on dit la femme est sage. Mais ce n'est pas seulement la femme. L'homme sage aussi. Parce qu'il y a d'autres hommes qui ne sont pas sages. Hein? Dites un peu, pasteur, continue. Je peux continuer? Ok, j'ai encore quelques minutes. Vous en faites plaisir. Parce qu'on dit souvent la femme sage. Mais pourquoi ne peut pas commencer l'homme sage? Mais l'homme, l'auteur du mariage. L'homme. L'homme. Ah, oh, y a des choses qui ont l'envie de venir dans moi. Et vous savez, il y a d'autres qui laissent leurs responsabilités. C'est la femme maintenant qui est devenue la tête. Quand tu fais ça, tu sais où le bateau s'en va. Alors vraiment que la femme ait vraiment le Saint-Esprit pour le guider. Parce que vraiment, les dames ont des conseils formidables. Mais cela ne doit pas te pousser, toi, l'homme, de laisser toute la responsabilité. Ok? Mon ami, toi qui me suis, hein, tu as abdiqué tes responsabilités. Faites pas ça. Reviens. Attends, quand tu donnes naissance à des enfants, reste à la maison, prends soin de tes enfants. Qui veux-tu qu'il nourrit tes enfants? Qui veux-tu qu'il prenne soin de tes enfants? Mon ami, toi, qui? Hein? Ah non, l'homme sage. Dites avec moi, cette fois-ci, l'homme sage bâtit sa maison. Et la femme sage va bâtir. Et les deux vont former une équipe. Et quel que soit ce que les gens, les conseillers maritaux viendront dire, il y a d'autres personnes qui disent, oh, c'est des conseillers maritaux, je ne sais pas quoi là. Mais lui-même n'a jamais fabriqué un foyer. C'est un abdicant, je ne sais pas quoi. Il a déjà abdiqué. Quel conseil il va donner? C'est un déserteur. On enseigne par l'exemple. Qui est là? Les amis, il y a d'autres choses, ne suivez pas. Mangez le fromage qu'ils ont fabriqué. Mais ne suivez pas son caractère. Bois le lait. Mange ça, que ça te donne la force. Mais ne suis pas son exemple. Il n'est pas un modèle. Hein? C'est seulement un hasard qui a fait qu'il monte là. Elle va te donner des leçons. Quoi? Arrête-toi. Dites encore prospérité. Dites encore avec moi la volonté de Dieu. C'est que je prospère. Les amis, pourquoi? Pourquoi? J'aimerais bien le dire calmement, parce que j'ai compris qu'on peut sauter de sujet en sujet. Et les gens peuvent être remplis de sujets, mais sans pratique. Et le Seigneur m'a dit, si tu ne répètes pas, tu te rends compte, dans l'ancienne alliance, Dieu disait, écoute, ô Israël, 400 quelques de fois, Dieu se répète, écoute, ô Israël, écoute, ô Israël, écoute, Dieu était obligé de se répéter 400 quelques. Écoute, oh Israël. C'est parce que dès que quelqu'un écoute et il comprend, c'est fini. L'application est là. Dieu veut que tu prospères. C'est la volonté de Dieu que Dieu veut ta prospérité et que tu arrives à payer, comme nous parlons de la prospérité, de la pauvreté financière, c'est ça qui est en premier lieu. Comme nous parlons de la pauvreté financière, et j'avais dit trop au cours de la semaine, je ne peux pas me répéter, mais la pauvreté financière est en train de créer des sales décisions dans des pays de tiers monde. Quand quelqu'un, la Bible dit que un pauvre est en odieux à ses amis. Et vous voyez la pauvreté, vous voyez, lisons un peu. Un homme pauvre, qu'est-ce qu'il dit? Mon Dieu, dites, je déteste. Proverbe chapitre 14, verset 20. Dites avec moi, je déteste. Et je vais haïr
la pauvreté. Parce que la pauvreté avilit. Tu es d'accord avec moi? Mais oui, la pauvreté ne fait du bien à personne. Si Dieu aimait la pauvreté, dans le jardin d'Éden, il n'aurait pas pu mettre tous ses or dans le jardin d'Éden. Mais si vous lisez l'histoire du jardin d'Éden, la Bible dit que Dieu a mis des saphirs, des quartz dans le jardin. C'est pourquoi on appelle ça jardin d'Éden. Ça veut dire jardin des délices. Et si Dieu était pour la pauvreté, mais pour qui est-ce qu'il a mis tous ces pierres précieuses? Ah, je sais que le religieux qui me regarde dit, ah ouais, ouais, ça c'est l'évangéliste, c'est le prédicateur de la prospérité américain. Non! Je dis ce qu'il est écrit. Mon ami, n'oubliez pas, tu peux me juger comme tu veux, mais tu as des factures à payer. Tu peux avoir tous les versets de la Bible, mais tu as des factures. À la fin du mois, tu verras les factures de Hydro-Québec. Les factures de taxes, tu vas les payer. Taxes de l'école, taxes d'école, taxes de la maison. Si tu n'as rien, mon ami, on va t'arracher ta résidence. Tu comprends? Maintenant, tu as de quoi à dire, j'ai maudit la pauvreté dans ma vie. Est-ce que tu me comprends? Parce que personne ne pourra payer des taxes pour toi. Hein? Personne ne pourra nourrir ta famille. Tu veux laisser ta famille où? Qu'ils soient à la charge du gouvernement. Mais ils ne te respecteront pas. Oh, oh, oh. C'est pour un temps. Mais n'accepte pas de laisser ta charge. Si tu as toute ta santé, prie. Viens, viens, on va prier pour toi. Les amis, ici, nous croyons que ce n'est pas au ciel qu'on ira prospérer. Nous commençons d'abord ici. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de facture à payer. Il n'y aura pas d'Hydro-Québec. La gloire de Dieu va nous illuminer, éclairer. Il n'y aura pas de cancer au ciel. Il n'y aura pas de ça. Il n'y aura pas de mariage de toute façon, tout ça. Rien. Alors, c'est ici. Dites, c'est ici. Tu peux dire, pasteur Fofi, vas-y, continue, je suis là. Oui, oui, dis-le. Il dit là, les pauvres est odieux même à son ami. Vous entendez l'état, le sort du pauvre. Vous savez, quand on n'a rien. Mais il dit, mais les amis de ceux qui ont un peu de moyens sont nombreux. Vous entendez? Les amis des riches sont nombreux, même ceux qui t'aiment par intérêt. Parce que quand il y a ces billets-là, ne vous en faites pas. Il y a d'autres même des familles qui vont s'approcher de toi par intérêt. Mais tu dois avoir le discernement. Est-ce que vous entendez? Tu n'es pas une vache à lait. Eh, les amis, vous savez le nombre de téléphones, surtout nous. Ah, je regarde un peu bien. Il y a des immigrés. Oui, il y a des immigrés. Alors, je peux parler. Il y a des immigrés. Et en tant qu'immigré, tu sais le nombre de téléphones que tu reçois, qui vient de la maison, qui vient de d'où tu viens. Envoyez, envoyez. Et le vrai et le faux. Envoyez. Maman est malade. L'oncle est malade. Si tu n'envoies pas, il va mourir. Et toi, tu es culpabilisé. Au lieu de vérifier si c'est vrai, et tu prends tout. Même ta dîme, tu dis, ah, Dieu me comprend. Hein? Mais est-ce que tu as vérifié? Et ce qui appartient à Dieu, tu n'as pas le droit de le toucher. Les amis, il y a d'autres moments où il faut vérifier. Hein? Vérifie, sinon tu seras un cible. Tu risques d'être ciblé. On dit, ah lui, l'essentiel qu'on lui ment. Il va envoyer. Hein? Western Union, Manigrand, envoyer. Les amis, quand Dieu te bénit, la première personne que tu mets en première place, c'est Dieu. C'est Dieu, mon ami, c'est Dieu. Ne commettez pas cette erreur-là de mettre Dieu en troisième position. Tu commences d'abord, oh non, j'ai eu des problèmes, j'ai eu des problèmes. Dieu doit me comprendre. Hey, écoutez, s'il vous plaît. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et après, il y a d'autres, même son salaire, il ne prend même pas soin de ses enfants. Non. Oh non, j'ai envoyé d'abord dans mon pays parce que. Mais après, et tes enfants? Qui va payer les chaussures? Qui va payer ce qu'il faut? Mon ami, s'il vous plaît, l'équilibre est très important. Quand Dieu donne la prospérité, il faut savoir gérer quoi? La prospérité. J'ai déjà prié pour quelqu'un, j'ai déjà donné ce témoignage. J'ai prié pour un monsieur ici au Canada. Les premiers jours, qu'il a touché la somme de 1 120 000.
Mon ami, il a eu à cœur d'avoir 3 femmes. Voyez, j'ai regretté, j'ai dit, Seigneur, ces personnes-là, quand je les posais les mains, il fallait dire, Seigneur, garde-les à l'état. Parce que dès qu'il a, je vous dis la vérité, dès qu'il a touché 1 120 000, la femme qui a supporté toute la misère a reçu 3 rivales. 3. La petite. 1. 3. En plus, il a dit maintenant l'argent part. Voyez, l'argent peut dévoiler le caractère de quelqu'un. Si tu veux connaître le caractère de quelqu'un, mets l'argent dans ses bras. Dès que tu lui donnes l'argent, tout ce qui est caché en lui finira par sortir. L'orgueil, la cupidité, les désirs. Hein? Ok. On est en train de parler. En tout cas, je suis désolé. Il faut qu'on en parle. Parce que si on n'en parle pas, vous savez, il y a d'autres qui ont été bénis, qui sont devenus orgueilleux. Est-ce que tu viendras à l'église? Oh non, non, mon emploi du temps ne me permet pas. Oh non, ces affaires-là, on a tourné un peu le dos. Maintenant, mon emploi du temps est chargé. Mais quand tu n'avais pas ça, tu venais à des veillées. Oh, tu sais, c'était dans le passé. On articule bien. Oh, mais tu sais, c'était dans le passé. Mais actuellement, on ne peut plus. On ne peut plus s'hasarder. Vous voyez, la vie va vite. Il faut en profiter. Ah bon, mon frère? Ah non, 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 s'il vous plaît, ne m'appelez pas frère. Il fait ça, ne m'appelez pas frère. On a vu des personnes qui ne voulaient même plus qu'on l'appelle frère parce que l'argent rentre et ils ne veulent pas qu'on l'appelle frère. De peur qu'il soit bloqué parce que quand on l'appelle frère, ça veut dire que tu es frère en Christ. Et je crois que tu deviens un frère en crise. En tout cas, bon. Tu veux que je continue? Oui, ce sont des points, il faut aller calmement, si tu veux. Parce qu'on doit casser. Qui est là? Mais c'est la volonté de Dieu que tu sois bien financièrement. C'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas te voir que tu es dans l'incapacité de payer tes factures. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Tu dois payer tes factures. Hein? Tu dois vivre aisément. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Dieu n'est pas au ciel en train de dire, attends mon fils, quand tu monteras ici, les riz seront en or. Pour le moment, oh, oh, débrouille-toi. Non, Dieu n'est pas comme ça. Vous savez, quand tu connais la volonté de Dieu dans ce qu'il dit à propos d'un sujet quelconque, même ta prière devient efficace. Quand tu pries, tu ne balbutes pas, tu ne pries plus dans le vide. Mais connaissant la volonté de Dieu, tu sais comment prier. Pourquoi? C'est parce que tu vas dans la présence de Dieu avec ce qu'il a dit. Tu connais ce que tu connais. Tu appliques et tu pries. Là, la prière devient puissante. Pourquoi? C'est parce que tu ne disjonctes pas. Mais tu dis ce que Dieu dit de toi. Dieu veut que tu prospères financièrement. Dieu n'a jamais été contre la prospérité. Dieu n'a jamais été contre. Dieu n'a jamais été contre. La Bible dit que... un pauvre est en odieux. Même ses amis les détestent. Et on dit souvent qu'un pauvre, même dans un village, ne peut même pas donner un conseil. Parce que personne ne recevra ses conseils. Vous voyez un peu comment ça humilie. Et je vous l'ai dit, la pauvreté. Dire, quand on parle de la pauvreté, on dit, vous savez, parfois ça vaut la peine. Il faut, il y a d'autres qui disent, ce n'est pas. Mais écoute, il faut risquer, il faut le dire. Parce que surtout nous qui sommes chrétiens, on ne croit pas. En fait, c'est nous les chrétiens qui ont montré aux gens cette philosophie que devenir chrétien, on dit heureux le pauvre parce que la pauvreté lui rend humble. Non, la pauvreté ne rend pas humble. Les gens pensent qu'être pauvre, ça t'aide à être humble. C'est faux. Ça te rend ridicule. Qui est là? Ça t'avilit. Si tu n'arrives même pas à payer ton pass, si tu n'arrives pas à payer un plat pour que tu te nourris comme il faut, ce n'est pas l'humilité. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Si tu dois fuir le matin
Parce que tes enfants vont me poser la question, qu'est-ce que nous allons prendre comme petit déjeuner? Et tu dois te sauver pour qu'on ne te donne pas de questions. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. C'est être avili, molesté. Le plan de Dieu, c'est que ta famille puisse vivre aisément. J'étais en train de dire au cours de la semaine que quand on veut vivre selon nos moyens, ça veut dire qu'on a choisi de vivre une vie moyenne. Ah, dites un peu, aïe. Vivre selon tes moyens, ça veut dire choisir de vivre d'une manière moyenne. Mais quand tu choisis de vivre selon les moyens de Dieu, une vie moyenne est sous. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je me suis fait bien comprendre, hein? Faites attention, j'aimerais bien gérer bien une parole. Pourquoi? Je peux même m'arrêter là. Écoute-moi bien. Quand on dit non, moi je vis selon mes moyens, ça veut dire que tu as choisi une vie moyenne. Parce que tu as dit, je vais vivre selon mes moyens. Tu as choisi de vivre une vie moyenne. Par contre, quand tu décides de vivre selon les moyens de Dieu, ça va demander la foi. Et tu démissionnes d'une vie moyenne. C'est clair et net, mon ami. Et la Bible dit que cela te soit fait selon ta foi. Et les gens pensent que c'est de l'humilité. Mon ami, tu penses que c'est de l'humilité si vous n'arrivez pas à payer les loyers de l'église? C'est de l'humilité. Que les propriétaires vous disent, sortez de l'église. Mais ici, je me souviens, un jour, le propriétaire de ce bâtiment, il nous a dit, Fofi, on était un peu au débit, on était un peu en retard pour payer l'électricité. Parce que si la facture de chauffage vient parfois jusqu'à 4 500. Seulement le chauffage. Alors, il est venu, il m'a dit, Fafé, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui va payer le courant? C'est ça qu'il m'a dit. Est-ce que c'est le... Là, on est à la porte. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui va payer le courant? Je dis, non, monsieur Bito, non. Le chèque est en retard, mais on te le donne. Regardez, mon ami, est-ce que tu penses que c'est la volonté de Dieu qu'on arrive à payer les loyers? Tu penses que c'est la volonté de Dieu quand on commence à te menacer? Tu penses que c'est la volonté de Dieu? Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je vous l'ai dit, quand tu pries, aïe, aïe, aïe. Dites un peu, aïe, aïe, aïe. Hé, mon ami, tu ne monteras jamais dans un avion et dire, je suis chrétien, on te dira, descendez. Non, je vais aller prêcher à Kazakhstan. On te dit, monsieur, descendez ou bien nagez. C'est là où tu verras que la pauvreté est une malédiction. Mon ami, n'accepte, quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, mon ami, quel que soit, écoutez-moi bien, je sais que Dieu parle à quelqu'un. Je vous l'ai dit, je sais que Dieu parle à quelqu'un. Je peux même tourner tout autour, il y a encore 5 points. Mais si ça vaut la peine que tu comprends, mon ami, tu dois combattre, il faut que la pauvreté meure dans ta vie. La pauvreté financière doit mourir dans ta vie. A dit, il faut que la pauvreté financière meure. Dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans ma maison, au nom de... On arrive. Ah oui, les amis. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Mais ici, je parle... Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Mon ami, je ne sais pas si toi tu restes toujours à la maison, tu ne sais pas. Mais nous qui allons parfois dans des bureaux pour aller parler avec les banquiers, on te pose la question, monsieur, c'est quoi ça? L'église, hein? Ah, monsieur, vous savez qu'on ne fait plus confiance aux églises parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ok, hein? Monsieur, dis-nous un peu vos ressources, c'est quoi? Vous voulez qu'on vous prête l'argent? Vos ressources, c'est quoi? Dis-nous! Mon ami, quand on commence à te poser la question comme ça, tu peux avoir 17 versets sans lui dire rien. Lui, il parle en billets. Les amis, ne voilons pas la face. Nous devons connaître la volonté de Dieu parce que la Bible dit dans les derniers jours, Dieu prendra même les trésors du monde. Il les amènera aux enfants de Dieu. C'est seulement... Vous savez, il faut prier pour que Dieu te donne ces opportunités parce que je vous l'ai dit que c'est ça qui est en train de se passer. C'est ça qui est en train de se passer. Dieu est en train de faire des transferts.
transfère. C'est que l'argent du dehors est en train d'entrer entre les mains des chrétiens. C'est parce que les chrétiens doivent bâtir le royaume avant que Jésus revienne. Ce n'est pas pour gonfler leur ventre. Il y a d'autres qui traînent, il y a d'autres qui retardent l'arrivée de ces finances parce qu'ils ne pensent qu'à leur ombril. Ils ne pensent qu'à son ventre. Hein? Et dire que non, nous allons construire une église quelque part. Oh, non, 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 non. Mais voyez pourquoi tu te limites. Tu es en train de... Les amis, il y a beaucoup de personnes qui sont limitées. Ils limitent Dieu dans leur vie. Parce que tout ce qu'ils voient, c'est son nombril. Car l'argent, il a un peu d'argent, il fait déjà ses calculs. Voyez pourquoi, au lieu d'atteindre à 8, toi tu vas rester à 1 ou bien 2. Alors que Dieu voulait que tu arrives à 8. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, réveillons-nous. Parce que c'est la volonté de Dieu que tu prospères à tous égards. La pauvreté dans ta vie doit mourir. Dites, je le crois. Répétez avec moi, je le crois. Et je le déclare. Qu'au nom de Jésus, la Bible dit que Jésus s'est fait pauvre. Pour que toi, tu t'enrichis. J'étais en train de dire l'aventure que s'enrichir ne veut pas avoir des paquets et tout. Mais si Dieu veut t'amener là, gloire à Dieu, moi je connais des frères en Christ. Ils en ont. Ils ont tout. Ils ont des avions. Et ils ont. Mais pourquoi j'ai un voisin à moi, dans mon quartier, lui il a des 747. Un jour je parlais avec lui, monsieur, qu'est-ce que tu fais? Il dit, moi je prends la nourriture ici, je vais les livrer. Vous savez, le Canada est grand. L'avion fait 7 heures, 8 heures de vol de Montréal jusque dans les extrémités là-bas, seulement au Canada. Et c'est lui qui nourrit des militaires dans ces coins-là. Je dis, oh, je le regarde comme ça, mais attends, sa taille est moyenne, tout, tout, tout. Je dis, oh. Je dis, je ne vois pas qu'il marche avec des roulettes. Et puis on parle. Je dis, oh, monsieur, tous ces avions-là sont pour toi. Il dit, oui. Je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Les amis, ici, le type de la pauvreté mentale est trop fort. Et on a vu que même la pauvreté, c'est le fruit de ce qui est dans tes pensées. Si dans ta façon de penser, tu penses misère, tu ne vivras que dans la misère. Mais si tu dis que selon ce que Dieu dit, je vais m'en sortir, mon ami, tôt ou tard, tu finiras par t'en sortir. Quelqu'un peut dire un bon amen. Mais attends, je traîne un peu, je m'attarde un peu sur cette pauvreté financière. Je vais parler de tout. Je parlerai de tout. Je vais prendre mon temps le jour qui s'en vient. Parce que la pauvreté financière, c'est la pauvreté qui parle le plus. Hein? C'est ce type de pauvreté qui parle le plus. Et c'est ce type de pauvreté qui est en train de diviser des foyers. Je vis dans un quartier, quand tu regardes, divorce, divorce, divorce. Partout, il y a des divorces. Tu dis, mais ah, attends, je ne vois pas ce couple. Oh, ils ont divorcé. Tout simplement, on te dit, oh, la femme a perdu le travail. Et comme elle ne peut plus cotiser, on a jugé bon de se séparer. Et, je dis, et. Et parfois, tu entends, ah, l'homme a perdu. Alors, on ne peut plus, on a séparé. Et même les enfants, maintenant, c'est 50-50. Hein? Ils ont là-bas, ils vont là-bas, et puis ils tournent, un certain moment, ils passent de l'autre côté, ainsi de suite. Quelle éducation? Tout simplement parce que personne n'arrive à cotiser. Mon ami, c'est quelque chose qu'il faut détruire, surtout dans l'église. N'acceptons pas ça, sinon on va nous qualifier de rien, de nul. J'ai des amis ici, je vais bientôt m'arrêter, j'insiste. En tout cas, je laisse le Saint-Esprit me guider, parce que ça vaut la peine qu'on en parle. Mon ami, je ne sais pas, tu viens d'où, mais tu ne vas pas traîner la mentalité de la pauvreté de chez toi jusqu'ici. Tu ne vas pas continuer à faire la prolongation de la pauvreté ancestrale. Ce que ton père n'a pas pu faire, toi tu vas le faire. Ce que ta maman n'a pas pu faire, le niveau où tes parents n'ont pas pu arriver, toi tu vas arriver et tu vas monter plus haut. Et puis on dira, ah, qu'est-ce qui arrive? Comment lui il est arrivé là? Écoute-moi, le plafond de fer là, que le diable le bat et le le verre de quoi? Bon, écoutez.
Le plafond de verre là, que le diable a mis au-dessus de votre famille, toi tu vas casser. Je disais que toi tu vas casser cela au nom de Jésus. Des morts prématurées, toi tu vas casser. Des stérilités, des mariages non accomplis, toi tu vas casser. Voyez pourquoi quand on dit venez prier, c'est parce que dans la prière on casse des murs. C'est ça que hier j'étais en train d'expliquer. Le Seigneur, quand on a commencé ce ministère Christ en action, la première des choses que le Seigneur m'a montré, il m'a montré un mur comme ça. Et il m'a dit, retrousse les manches, frappez, frappez. 1, 2, 3, 4. Finalement, il y a eu des fissures. Le Seigneur m'a dit, c'est de cette manière-là que tu vas bâtir dans la prière. Casser tous tes murs que Satan mettra sur ton passage en tant que ministère et en tant qu'individu. Briser cela dans la prière, mon ami. En nom de notre famille, en nom de notre famille, en nom de notre famille. C'est le mal oncle. C'est pourquoi on est prêt à aller manger même l'argent d'un oncle qui est dans la magie. Et parce que c'est l'oncle. Et l'oncle est dans la magie. Et en mangeant son argent, tu entres dans le pacte. Ça veut dire que toi, tu ne peux pas aller plus loin. Seigneur. Dites, continue, pasteur. Dites, continue. Attends que toutes ces plateformes ancestrales, sataniques, qui ont été imposées dans ta famille, toi étant né deux fois. Dites avec moi, je suis mystique, moi. Répétez, je suis un mystère. Vous savez, toi et toi qui as donné ta vie à Jésus, tu es né deux fois. Ce qui rend de toi, ce qui fait de toi une personne mystique, c'est le fait d'être né deux fois. Tu es né dans le monde visible, entre l'aide d'un homme et d'une femme. Ça, cette naissance-là peut faire de toi une proie de l'ennemi. On se moque de toi, tu es lié à des pactes ancestrales. Votre famille ne peut pas percer, des mariages qui commencent, qui tombent, des maladies héréditaires, la pauvreté héréditaire. Mais quand tu nais de nouveau, deuxième naissance, là, ça fait de toi un mystère. Tu ne peux plus accepter ce que les autres de la famille ont accepté. Oh non, on est toujours comme ça dans votre... Mais toi, tu es né dans la famille de Jésus. Même la tunique de Jésus a été triée. Si ce n'était pas beau, on n'aurait pas pu se chamailler. Lui, il a accepté de se faire pauvre pour que toi, tu aies de quoi à pourvoir à tes besoins. Mais tu dois le croire que c'est la volonté. Il dit, mon frère, je souhaite que tu prospères à tous égards. Le nombre de personnes qui sont mortes parce qu'ils sont sous la domination d'un oncle. Et l'oncle avait fait un pacte. Tout son argent. Attends, vous savez, si tu n'as pas Jésus, c'est grave. Un jour, c'était en Suisse. Une femme est venue me voir, une Suissesse. Alors, il y avait un monsieur que je vais pas citer le nom parce que vous devez connaître tous ces magasins mondialement. Ce monsieur-là, c'était milliardaire mondialement. Et j'ai eu à manger avec lui, nous deux, avec la femme, à Milan. À Milan, en Italie. Il aimait une sœur en Christ. C'est entre les Suisses. Alors, messieurs, ce monsieur-là, vous connaissez, il y a d'autres, vous avez déjà porté ses chaussures. C'est connu mondialement. Il m'a reçu. Il m'a amené dans son bureau à Milan. J'ai regardé seulement à l'entrée Osiris. J'ai dit, Dieu Osiris. Je dis, ce monsieur-là, il est quelque part. Alors, il me prend, on arrive dans la ville de Milan. Il dit, on entre dans les restaurants, on s'assoit, finalement, on mange. Les amis, ils respirent. Son premier mariage, c'était le chef spirituel là, que je ne vais pas citer le nom, qui est connu mondialement, qui a béni son mariage. Vous voyez, si le pape bénit ton mariage, tu vois, ça veut dire que tu es quelqu'un, quelque part. Alors, au moment où on mange, on a parlé. J'ai eu mal, j'ai dit, il y a d'autres moments, n'envie pas les milliards de quelqu'un. Écoute l'histoire. Il dit, monsieur le pasteur, Fofi, vraiment, ta sœur là, moi, je l'aime. Elle est une silhouette. Oh,
Elle est belle. Effectivement, elle est belle. Alors, je l'aime. Je dis à la sœur, regardez l'œil que tu vois à l'entrée du bureau, Osiris. Cet argent-là a une source bizarre. Mais pour les repas qu'on vient de manger, en tout cas, on a béni. Je dis, c'est béni. Mon ami, j'ai le pouvoir. Est-ce que j'ai le pouvoir? Tout ce que je touche est béni. Tout ce que tu touches est béni. Je dis, ne vous en faites pas, ma soeur. On a mangé. On a bien mangé. On y tourne à Lugano. On y va à Lugano. Mais faites attention avec ce monsieur-là. Faites attention. Les amis, le monsieur lui offre une voiture Mercedes faite en Allemagne. Là, dans l'entreprise, une Mercedes mais faite sur mesure. Vous savez qu'il y a d'autres Mercedes, tu vois la signature, hein? Il y a ton nom partout. Et c'était comme ça. Je suis entré dans cette voiture-là. J'ai regardé, j'ai dit, wow, wow. Je dis, ma sœur, veille. Avant d'entrer dans telle voiture, invoque le sang de Jésus. N'oublie pas. Parce que sinon, tu roules sur le cheval du diable. Mon ami, un jour, ils étaient à deux. Elles étaient à deux avec son ami. Mon ami, si tu vois la carcasse de la voiture, tu ne peux pas croire qu'un humain peut sortir de là. Un des accidents où la voiture s'est rendue comme une boîte à allumettes. Et quand les enquêteurs sont venus, ils ont vu ces deux dames à côté. Ils disent, ils ont, où sont les morts? Ils ont dit, où sont les morts qui étaient? On a des gens qui ont dit, c'est nous. Hey, comment, dis-nous comment vous êtes sortis. Parce qu'on devrait vous faire sortir par des birins. Vous savez, il y a d'autres erreurs que nous commettons. Dieu, à cause de son amour. Vous savez, parfois, il y a des choses, parfois, il y a des compromis que nous faisons, même quand Dieu nous parle. On est tellement entré dans le compromis qu'on oublie même que Dieu nous parle. Mais Dieu, la grâce de Dieu était là. Ils sont sortis de cet accident. Et quand ils m'ont appelé, ils ont dit, pasteur, vous savez, la première fois que j'ai vu des billets de 1000 francs suisses, c'était avec eux. 1000 francs. Les gens qui ont vécu en Suisse, il y a des billets, 1000 francs suisses. Je regardais, je dis, 1000 francs suisses. Je connais des billets de 20, de 50, de 100, de 200. 1000 francs suisses. Et vous savez, quand on te file un gros paquet comme ça, les billets là, des 1000 francs. Je regarde la sœur, elle a dit, comment, ça vient d'où? Elle dit, oh non, pour toi, je prie, je dis, oh, alléluia. Elle dit, je le sanctifie. Je continue. Les amis, écoute-moi bien. Dieu veut te rendre prospère, mais tu dois comprendre ses clauses. Tu as compris ça? Je vais m'arrêter là. Mais comprenez que c'est la volonté de Dieu. Je sais qu'en parlant de cela, Dieu est en train d'ouvrir des portes. Dieu est en train d'ouvrir des entreprises dans votre vie. Ton niveau de vie va changer. Mais garde l'humilité. Parce que c'est la volonté de Dieu que tu prospères. Comment? Comment? À tous égards. À tous égards. Les amis, ça me fait mal de se faire tout le temps humilier devant des banquiers. Quand on te traite, on te regarde, monsieur, à part, tu dis que tu es un preacher. Je dis oui. Et après, qu'est-ce que tu fais pour gagner ta vie? Et on te dit, tu es un preacher, tu es un prédicateur. Oui. Après, qu'est-ce que tu fais pour gagner? Je dis, moi, je ne fais rien d'autre. Je prêche la parole et j'ai un boss qui prend soin de moi. Elle dit, oh, monsieur, on a déjà entendu ces histoires. Je dis, monsieur, je te dis que j'ai un patron. J'ai un patron. Vous savez, il y a des moments, maman Suzy, parfois, le pasteur Suzy dit, bon, ok, termine. Suivez-moi dehors. Parce que je suis comme ça. Je suis comme ça. Ma foi est en action. Ma foi ne reste pas ici à l'église. Ma foi me poursuit partout. Et je témoigne Jésus dans tout, partout. Bureau de qui que ce soit. Je mets Jésus en action. Et je suis quelqu'un qui aime les défis. Et jusqu'au moment où on remporte la victoire. On a mis qu'il ne peut pas bâtir une vie ici au Canada. Une vie, on met toujours, tout le temps en doute de ta foi. De ta foi. Tu veux parler de Jésus à quelqu'un quand il y a un ta 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 de là.
ces affaires-là. On dit ces affaires-là. Dieu n'est pas l'affaire-là. Il est le Dieu vivant et vrai. Tout a été créé par lui. Tu dois comprendre que c'est la volonté de Dieu que tu aies de quoi apprendre à soin de tous tes besoins. Quelqu'un peut dire amen. Vous savez, on est parti payer l'église. L'église là que nous venons d'acheter. Vous savez la première chose qu'ils disent. Où est-ce que vous avez trouvé l'argent? Quelle banque qui va vous prêter l'argent? C'est ça qu'on nous disait. Demandez les gens. Monsieur, dis-nous, où est-ce que vous allez prêter l'argent? Quelle banque? Est-ce que vous avez déjà des papiers signés avec la banque qui va vous donner 2 millions quelques cents? C'était honteux la façon dont on vous regarde. Vous savez, à la banque, quand tu as de l'argent, on t'appelle par ton nom. Mais le jour que tu seras en découverte, on t'appelle par les numéros. Numéro 4. Et si tu n'as pas suivi, tu sursautes, c'est moi le numéro 4. Mais le jour que tu auras de l'argent dans ton compte, on ne t'appellera pas par les numéros. On dit, monsieur Alfred, oui, est-ce que tu veux un café? Oui. Avec un peu de biscuit? Oui. Là, tu t'assois calmement. On t'appelle par ton nom. Mais le jour que tu n'en auras pas, mon ami, on va t'appeler par les numéros. Numéro 4. Tu dis, oui. Tu dis, ah, je m'appelle numéro 4. Les amis, je vous dis la vérité. Maudis la pauvreté dans ta vie. Refusez la pauvreté dans ta vie. Même si dans ta famille, le diable avait écrit, scellé, il a fermé le ciel. Si toi, tu dois être la première, tu vas être la première. Tu vas distinguer. C'est pourquoi, dans la pauvreté mentale, on avait parlé des choses comme c'est un manque de quoi? Des idées créatrices. Là, je vais aller doucement, prochainement. Je ne veux pas sauter. La pauvreté mentale, c'est quand quelqu'un... Les gens pensent que quand on est pauvre mentalement, on dit, oh, on disjoncte. Non, ce n'est pas de ça. La pauvreté mentale, c'est un manque des idées qui peut t'amener loin. Une crise d'idées. Hein? Alors que nous avons donné dans le psaume 100 quoi? 19, verset quoi? Eh, qui était là? Psaume 119, verset? Combien? 73. Bon, projetez avant qu'on termine. Projetez. Allez-y. Qu'est-ce qu'il dit? Nous allons lire tous ensemble. Allons-y. Tes mains ont fait quoi? La Bible dit que les mains de Dieu t'a créé. Elles m'ont fait quoi? Façonner. Il dit, donne-moi quoi? De l'intelligence pour que... Il dit, donne-moi de l'intelligence. Mon ami, quand tu vois que tu commences, tu as une crise des idées. Hein? Dites à Dieu, Seigneur, c'est toi qui m'as façonné. Je suis né de nouveau. Alors donne-moi de l'intelligence. Est-ce que vous savez qu'une idée peut t'enlever de la misère à une autre vie? C'est ça. C'est pourquoi j'aime toujours dire, même la chaise où tu es assise, et le fruit, le résultat de la pensée de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a pensé. Il y a quelqu'un qui a pensé. Il y a quelqu'un qui a pensé et qui a créé la chaise. Il y a quelqu'un qui a pensé et qui a inventé tes lunettes. Il y a quelqu'un qui a créé et qui a inventé les sacs à main. Il y a quelqu'un qui a créé, c'est pourquoi nous avons les caméras ici. Il y a quelqu'un qui a pensé, il y a quelqu'un qui a pensé, il y a quelqu'un qui a pensé. Je prie que Dieu te donne de nouvelles pensées. Vous voyez pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, à partir du verset 2, premier jusqu'au verset 3, il dit, mes frères, soyez renouvelés. Dites, soyez renouvelés dans votre façon de penser. Il dit, ne vous conformez pas. Ah, commencez le verset 2, verset 1 plutôt, verset 1. Allez, lisons. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme quoi? Un sacrifice vivant. C'est-à-dire, ça commence par ton corps. Offre-lui ton corps. Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, présent, mais soyez transformés. Ça veut dire, prenez la forme par le renouvellement de quoi? De ton intelligence. Oh mon ami, quand l'intelligence, regarde-moi, quand on parle de ça, donnez à une, mettez deux personnes devant toi. Tu donnes à une autre personne 2 000 $. Tu prends encore 2 000 $, tu donnes à l'un.
et puis à l'autre 2000. Regardez maintenant les réactions. Il y a l'autre qui sera qui est en train de dire, qu'est-ce que je vais acheter avec ces 2000? Et il va faire des calculs sur comment vider les 2000. Mais par contre, la même somme, tu le donnes à quelqu'un, lui, il va le calculer. Comment je vais faire pour que ça devienne 4000? Voyez, le même montant, mais qui tombe dans le mains, deux mains différentes, avec des résultats totalement différents. Vous savez pourquoi ça? C'est la pauvreté, quoi? Mentale. Il y a d'autres qui pensent consommer, il y a l'autre qui pense multiplication. Vous savez que même des décisions qu'on prend dans la vie est dit à la pauvreté mentale. Même des actions qu'on pose est basée sur la pauvreté quoi mentale. Quand dans la façon de penser, on n'est pas renouvelé, même les actes suivent. Parce que l'acte de quelqu'un, c'est le résultat de ce qu'il a pensé. Tout acte provient de la pensée. Je dis toute action vient de la pensée. Tu as déjà pensé avant de passer quoi? À l'acte. Même le tueur, il pense. Même le voleur, il pense. Même le... Il pense, dit-il, il pense. Il dit tout. La pauvreté mentale. La pauvreté mentale. La pauvreté mentale. La pauvreté mentale, c'est cette crise-là. Des pensées renouvelées. Des pensées de création. Là où il y a crise des pensées, vous allez voir que quelqu'un qui vend des arachides à côté, une autre personne vient, commence à vendre les arachides, les mêmes produits à côté. Et alors, vous voyez, quand tu vois ça, ça ne va pas. Parce qu'il y aura abondance. Hein? S'il vous plaît, quand tu pries, tu vas dire, Seigneur, s'il vous plaît, que mes pensées prennent une autre tournure. Seigneur, s'il vous plaît, donne-moi des idées créatrices. Aide-moi. À la place de dire, Seigneur, je fais ça, je fais ça. Dites, Seigneur, donne-moi des idées créatrices. Donne-moi des idées toutes nouvelles. Eh, Seigneur. Vous savez le nombre de personnes qu'on paye dans des bureaux, tout simplement pour penser. Et ils gagnent des millions pour penser. Mon ami, je prie que ta façon de penser quitte la pauvreté. Que tu aies des pensées maintenant qui te font partie de la pauvreté mentale à la prospérité. Quelqu'un peut dire amen. Lève-toi de là où tu es. Oh! Voyez ce que nous avons. Ah, nous prions que la pauvreté financière meure ici, dans le ministère Christ en action. Je l'ai dit dans le ministère Christ en action. Et quand je dis dans le ministère Christ en action, dans ta vie, que la pauvreté financière fasse quoi? Meure. Mais pour que cela puisse mourir, tu dois connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Mes frères et sœurs, assez, c'est assez. Tu dois détester la pauvreté. Détester la pauvreté. Pau. Et on est fatigué d'être pau. Non. Ce n'est pas possible. Maudis la pauvreté. Refuse la pauvreté. Tue la pauvreté. Tu dois déclarer la mort de la pauvreté dans votre vie. Sur tes générations à venir, des générations à générer. Pourquoi est-ce que nos enfants ne pourront pas dire, ah, le Dieu de notre papa, le Dieu de nos pères, hein, le Jésus qu'ils ont servi avant que nous venions au monde, était un bon Dieu. Ils n'iront pas envier les bouddhistes. Ils n'iront pas envier d'autres religions. Ils diront, non, le Dieu que nos parents ont servi sont dignes de confiance. Quelqu'un peut dire amen. Frères et sœurs, je vous l'ai dit de tout cœur, la pauvreté dans cette église n'a pas de place. Quand je dis dans cette église, ça veut dire dans ta vie. Dieu va te donner des idées. Dieu va te donner des opportunités. Dieu va vous donner des portes ouvertes. Mais seulement sois sincère parce que la frontière, nous avons dit que Dieu entend la prière. Mais la prière qui est faite
avec, dans la sincérité. Dieu entend la prière qui est faite dans la sincérité. Lève les deux mains. Dites avec moi, Seigneur Jésus, merci de m'avoir parlé. Merci parce que je refuserai complètement ce qui n'est pas admis au ciel dans ma vie. Aide-moi à comprendre et je te remercie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donne une bonne main d'acclamation. Ok. Tu peux donner plus mieux que ça. Alors, je peux dire que c'est toute une série. Tous les mois de septembre, je vais parler sur le 6 types de pauvreté. Tous les mois de septembre, je vais parler sur ces 6 types de pauvreté. J'aimerais bien que Dieu nous aide. J'aimerais bien que Dieu vous aide. Et je vous l'ai dit qu'à la fin de cette série, avant même la fin, il y a d'autres qui vont vivre des élévations au travail. Je vous l'ai dit qu'il y a des postes qui sont en train d'être libérés pour toi. Il y a des élévations. Il y a des promotions. Oh, que le ciel, que le troisième ciel, que Dieu entende cette prophétie. Prépare-toi à ce cétacé. Au cours de la semaine, dans le midi des Fofi, et puis le mercredi, je vais encore avancer un peu. Je vais prendre le temps que ça doit prendre pour que je ne puisse pas passer à côté. Dans ce qui concerne la pauvreté financière que nous venons de dire, j'avais donné des versets. J'avais donné plein de versets. Si vous suivez le CD, le message, vous verrez tout. La volonté de Dieu. Parce que j'avais donné tellement de passages qui montraient c'est quoi ça, la volonté de Dieu. Et je vais encore le répéter, je crois, même le mardi. Suivez cela, s'il vous plaît. Suivez ce que Dieu dit. Parce que pour bien prier, tu dois connaître ce que Dieu dit. Alors au moins, tu iras dans la présence de Dieu avec ce qu'il a dit. Et tu diras non. Nous allons lever nos mains. Nous allons dire, Seigneur, à cet instant, nous nous allions à ta parole pour donner, pour s'aimer dans le royaume. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors prépare ton dîme. Prépare ta dîme et ton offrande. On finira par les actions de grâce. Alors à la maison, pour ceux qui suivent, c'est le temps de dîme et des offrandes. Alors tu prépares ton offrande, tu prépares ta dîme. Tu le prépares. Vous voyez tout ce qui est en train de défiler. Vous pouvez faire votre virement par PayPal, par virement Interac. Tu peux le faire. Mais donne avec confiance. Plante avec confiance. Et surtout avec foi. Parce que donner sans s'attendre à rien, c'est dangereux. Mais quand tu donnes, attends-toi à être étonné par Dieu. Parce que Dieu honore tous ceux qui l'honorent. Oh, j'aime que Dieu m'honore. Tous ceux qui honorent Dieu, Dieu les honore. Alléluia. Le Seigneur est là. Alors, prie avec moi. Tiens ton enveloppe pour ceux qui sont dans la salle.
Je ne sais pas tu es dans quel pays. Je vais te demander que ta dîme, si tu es dans une église, apporte ta dîme dans ton église. Mais par contre, tu peux donner une semence au ministère Christ en Action. Si vraiment Christ en Action est une bénédiction pour toi, tu peux envoyer, tu peux voir, le PayPal, Virement Interact, tu peux envoyer une semence. Et je crois que ça bâtira l'œuvre de Dieu. Faites ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Et si tu es de la maison, ta dîme, tu ne peux pas le donner à un missionnaire quelconque. La dîme est pour la maison où tu reçois la parole de Dieu. Oh non, j'ai envoyé ma dîme quelque part dans un ministère. Non, 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 non. La Bible dit apporter à la maison du trésor. La maison du trésor, c'est à l'église là où tu es nourri constamment. C'est cette église là qui prie pour toi. C'est là où tu dois apporter ta dîme, ton offrande. Alors là, tu verras les portes du ciel s'ouvrir. Alors, on te donne l'opportunité. Oh, vas-y par la foi. Faites confiance. Si tu crois que tu as été sauvé en acceptant Jésus, eh bien, la même parole de Dieu donne et il te sera donné. C'est ça. Alors, levons-nous tous ensemble. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous donnes. Nous voulons s'aimer avec foi au nom de Jésus. Amen. Alors, on va suivre un peu l'ordre. Hein. On vient déposer, on commence en arrière. Suivez l'ordre, s'il vous plaît. Suivez le rangeur comme nos services d'accueil est en train de dire. Allez-y, marchez, venez déposer. Allez-y. Des gens, vous êtes préparés pour l'action des grâces pour la fin de notre semaine. On avait donné l'annonce qu'à la fin de la semaine, nous terminons toujours nos semaines intenses par des actions de grâce. Si tu as préparé ton action de grâce, lève-toi de là où tu es, fais comme moi, viens déposer ton action de grâce. Merci. Écoutez les annonces, parce que nous devons libérer rapidement la salle et nous allons passer à la présentation des enfants tout de suite là. Alors, je voudrais commencer, avant de passer à la présentation des enfants, je vais terminer les annonces. Ce qu'il y a la conférence des dames, dites conférence des dames. La conférence des dames, édition
2020 aura bien lieu le mois prochain, en octobre. Les détails vous seront communiqués ultérieurement. Alors, il y a la conférence des dames au mois d'octobre. Je crois que les détails vont être donnés dans les jours qui s'en viennent. Les amis, n'acceptons pas que 2020 soit comme l'année la plus chaotique. Rien du tout. Nous croyons que 2020, avant que 2020 termine, Dieu n'a pas besoin de 12 mois pour accomplir ce qu'il veut accomplir dans ta vie. Qui a compris cela? C'est que les 4 mois qui restent vont être 4 mois d'accélération. Amen. Et même tout ce que le diable pensait voler, tu vas les récupérer tous. Je te dis que tu vas tout récupérer. Quelqu'un peut dire amen. Alors, nous commençons par la conférence des dames au mois d'octobre. Je crois que j'aurai des informations qu'il faut. Vous savez que nous avons toujours 2 services. Bientôt, notre prochain service va bientôt commencer. Alors, nous voulons donner des informations comme les cérémonies de présentation des enfants recommence pour tous les premiers dimanches du mois. Mais il faut appeler au secrétariat pour inscrire votre enfant. Alors c'est pourquoi nous allons terminer notre culte par la présentation de Ézéchiel, Evan, Toussaint, enfant de Marvin, Toussaint et de Bertie, Toussaint, de bien vouloir avancer ici sous les acclamations de tout le monde. Merci. 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 De nous bénir. Merci. Merci. Merci, en gardant les distances, nous allons passer à la présentation de ce beau garçon que vous voyez ici. J'aimerais bien que toute l'assemblée s'élève. Nous allons les consacrer à Dieu. Nous allons demander la grâce de Dieu sur sa vie. Que cet enfant soit une bénédiction premièrement pour sa famille, une bénédiction pour la société. Et nous le croyons. Vous voyez pourquoi, en tant qu'église, nous croyons qu'en consacrant nos enfants, présentant nos enfants à Dieu. Dieu est là pour faire sa part sans ignorer que les parents sont responsables pour l'élévation de cet enfant. Et nous vivons dans une société où les parents abdiquent. Les parents sont prêts à donner la responsabilité au professeur. Mais non, tu as ta part. Les professeurs aussi auront leur part. Mais notre vraie éducation commence d'abord à la maison. Tendons nos mains ici. Dieu Tout-Puissant, je te présente. L'enfant. Éternel Dieu, je lève ma main. Seigneur, en levant ma main, en tant qu'ouvrier, je décrète et je déclare que cet enfant te consacre. Seigneur, que l'avenir de cet enfant soit un miracle. Seigneur, que son éducation, Seigneur, que cet enfant se retrouve entre les mains qui sont des mains pures. Seigneur, qu'aucune influence du monde ne puisse opérer dans sa vie. Nous décrétons et nous déclarons au nom de Jésus, que
Que la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, protégera cet enfant. Qu'à l'école, qu'il distingue. Oh, ya Santa Carabasso. Seigneur, qu'à la maison, qu'il ne manque de rien. Seigneur, faites de sa famille un canal de bénédiction. Seigneur, ouvre les écluses du ciel. Que cet enfant soit élevé dans l'abondance. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Je disais Amen. Je disais Amen. Si tu le crois, dites un bon Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. 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 Nous sommes à la fin de notre service. Alors j'insiste que notre culte. Ok. J'insiste. Y a-t-il des personnes qui ont amené leur bouteille d'huile? Et si tu as ta bouteille d'huile, ça veut dire ce qui était là le samedi, leur bouteille d'huile a été déjà. Mais ceux qui l'ont amené le dimanche, aujourd'hui, tiens la bouteille. Si tu amènes ton huile d'olive, tenez rapidement. Tiens ta bouteille. Je vais prier. Père Céleste, je te prie afin que chaque onction d'huile qui sera faite par la foi apporte des résultats. Parce que nous savons que ce n'est pas l'huile, mais ton onction. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je disais Amen. Je disais Amen. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, même dans le midi des fofis, de bien vouloir suivre les consignes et les requêtes et les informations qui sont dites pour que tu ne sois pas hors. Et le mercredi, c'est comme d'habitude, nous revenons dans nos cultes. Et n'essaye pas de continuer à croire que non, je peux rester à la maison. Non, 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 non. C'était pour un temps. Maintenant, maintenant, tout en suivant l'ordre, en gardant la distanciation, en portant nos masques, ainsi de suite, à ne pas se donner des accolades, ainsi de suite, là, continuez à laver les mains en entrant. Même chez vous, respectez les consignes qui sont dites par le gouvernement. Respectez. Mais je voulais te dire tout simplement, personne, je dis personne ne mourra de ces corona. Je voulais te le dire. Crois et accepte cela. Agis. Mais ne construis pas la peur dans ta vie. Parce que Dieu n'opère pas dans la peur. Crois que le plan de Dieu pour ta vie doit s'accomplir. Et rien ne pourra arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour ce premier service. Maintenant que nous voulons quitter cet endroit, accompagne chacun de nous au nom puissant de Jésus. Amen. Bonne réunion et bon appétit. Merci. Et bon retour à la maison.